Comment ça va le gang aujourd'hui? Mon nom c'est Chobi et on se retrouve en aidant AventureCraft car, d'après les j'aime et les commentaires, vous êtes nombreux à vouloir en voir plus. Donc, continuons. Et je tiens à dire que s'il y a toujours le même soutien, si ce n'est plus dans cette série, il y aura un autre épisode. C'est à vous de voir les mecs, ça tient qu'à vous. Pendant ce temps, moi je vais ramasser du blé, couper un peu de bois et essayer de tabasser 2-3 gobelins. Parce que le but d'aujourd'hui, c'est d'avoir l'armure de gob. Au moins, le casque, l'armure et le pantalon. J'aimerais bien. Allez. Caillou. Bon, on va couper un peu de bois, parce qu'il m'en faut un peu, j'en ai pas beaucoup. Il faut que je trouve la hache. Non, ça c'est le site. Voilà, une hache en bois. Ok, on va défoncer le tronc. Défonce-lui sa gueule, le tronc. Espèce de sale tronc. Oh, il y a un gob à moitié mort. Allons le buter. Vas-y. Non, casse ça. J'ai vu des coffres. Il y a du pognon, là. Ok. Alors, pour ceux qui n'auraient pas vu le premier épisode, AventureCraft, c'est un jeu en pré-alpha qui est l'enfant caché de Zelda et Minecraft. Je vous conseille de voir le premier épisode car ça t'explique comment on obtient les crafts, comment on craft, comment on fait sa maison, etc. Toute la base. Là, maintenant, on avance. Alors, j'ai le torse gobelin en armure, donc maintenant, le but, c'est d'avoir le reste de l'armure. Pour ça, il me faut les plans. Pour avoir les plans, faut tabasser du gob ou avoir de la chance en fouillant les coffres. Tabasse des gobes. Allez, fume-le, chenille. Ouh, fuis, il va t'en mettre une dans la tête. Voilà, dans le dos. Vas-y, mon chien. Vas-y, Roberto Mexico. C'est le nom de mon chihuahua de combat. Qui fait un bruit de lion. T'as déjà vu un chihuahua avec cette voix-là? T'as du coffre, mon petit. Ok, alors j'étais en train de lire les notes de mise à jour, et dans la prochaine mise à jour, il semblerait que notre pet va pouvoir leveler, et il va pouvoir augmenter de niveau, et on aura les cavernes. Les grottes. Oh, il y a un magasin. Alors quand vous trouvez un magasin, si vous regardez ce qui est étendu sur le fil, c'est à peu près ce qu'il vend. Donc lui, il vend des morceaux d'armure de lapin, du cuir gob, ça m'intéresse, du cuir gob. Je vais te prendre ça... Et je vais te prendre ça, j'adore son fusil à pompe à lui. Blum. Est-ce que j'ai des trucs à vendre? Tiens, la moitié des troncs, tu les veux? Yes, il les veut. Tu veux des bouteilles vides aussi? Non, je vais les garder. Qu'est-ce que je vais te refourguer comme merde? Tiens, tu veux des plumes? Parfait. Ça fait du bien. Il y a un plan. Oh, haste potion. Fume-moi cette petite merde verte, mon chat. Oui, ma stun. Non. Et il m'a pas buté. C'est cool. C'est quoi tous ces bruits que j'entends? Ouh, il y a du gob mort à la pelle face à du cochon. Mais petit gob, il faut pas chercher la brage. Attends. Est-ce qu'avec le couteau, j'obtiens pas plus? Tiens, prends le couteau. Voilà. Et avec le couteau, logiquement, je dois pouvoir obtenir plus de bouffe, quoi. Merde, j'ai tapé avec le site. Bon, ce sera la hache. Et au couteau. Il va me one-shot. Et ouais, parce que j'ai pris l'habit secondaire et donc j'ai rien en armure dessus. Par contre, j'entends des gobes défoncer, je sais pas quoi d'autre. Ah, ça doit faire mal, ça. Bon, piochons. Oh, une bouteille en verre. Ok, piochons. C'est où que ça se défonce? Ah, ça redevient silencieux, quel plaisir. Des plumes de poulet, ok. Mais ça, je peux le casser? Non. Je peux piocher? Non. Ça n'a pas l'air. Ok. La pédou! Vas-y. Il me faudrait un arc pour ça. Ou une arme à distance. Reviens, la pédou. Bon, tant pis. Hop, rien là. Coupe la fleur. Dégo. Fuis. Ah, ils font mal à toutou. Ils ont buté mon chien. Oh les salauds, tiens, morf. Prends des coups de couteau, tiens, fais-toi planter. Je vais te planter dans le bide, d'ouvrir tes ventrées, te baigner dans tes propres entrailles de gobelin. Tiens.
Non, oh, fumble, tiens. Tiens. Je les kite à l'ancienne, comme tout sur les tout bons vieux jeux de rôle où tu récoltais tous les ennemis en groupe et tu les kitais comme ça. Tiens. Tiens. Oh, un autre marchand. C'est celui que j'avais déjà visité, ça, je crois. Touche pas. Oui, défonce-les. Oh, il fait nuit, ça c'est pas bon par contre. Quand il commence à faire nuit comme ça, c'est pas très bon parce que les ennemis vont commencer à popper un peu partout. Il va falloir que je me casse. Heureusement, je suis pas loin de la maison. Oh, j'ai entendu les abeilles, la mort. Trace la route. Oh putain. C'est des paladins? Attends, c'est des pales? Vas-y, paladin, bute-les tous. Vas-y. Oui. Est-ce qu'on peut détruire le porto? Non. Ah, ok. Oui, un porto et des portails. Parfaitement. Oh putain, c'est un blanc de merde. Non. Ouh, de fuck. Et rentre chez toi, Shani. Qu'est-ce que tu fous dehors en pleine nuit? Oh. Pourquoi ils veulent tous me tuer, bordel? Non. Mais je vous ai rien fait, bande de lâches. Ok, défonce ça. Non, cochon démoniaque, tu mourras pas. Hop, rentre-toi. Fuck you. Tiens, dans ton cul de cochon. Bienvenue à la maison, comme on dit. Qu'est-ce que je vais faire? Ok, bon. Avec l'iron. Je veux faire un essai. Est-ce que dans ma tête, j'ai. Je vais essayer si je sais comment on fait une. Non, je sais pas en fait. Comment on fait une pioche en fer? Cut. Et hop. Donc, ça plus ça, ça nous fait des clubs. Je vais en faire un. 1, 2, 3 et 4. Comme ça on en a d'avance. Ça plus ça plus ça plus ça. Non. Descends. Le clan. Ok. Dégage. Voilà, une planche, un iron, un twine, et je vais faire l'essai pour voir, parce que ça marche avec le la pierre, donc peut-être c'est la recette pour l'avoir avec le fer. Ouais, ok. Tant pis. Ok, ça valait le coup d'essayer. On va s'en faire une de pierre quand même. Tiens, un fil, et il me faut une planche. Voilà. Change, voilà, parce qu'on avait plus de hache. Maintenant on en a une. Bon, je crois que je vais aller fumer du gob. Fume du gob, mon petit, fume du gob. Coffre. Viens là, petit. Petit, tiens. À coup de pioche. Bim. Arrête d'esquiver. Je vais leur bousiller leur tente, tu sais quoi? Tiens, ta race. Voilà. Crève. Tu pourras plus venir ici, je t'ai pété ta tente. Coupe. Comment ça se fait que j'ai pas de baie? Merci. Il y a plein de maisons à eux là. Tiens, casse. Ouh! Il y a un plan. Il y a du cuir de gobe. Casse tout. Viens par ici. Il faut vraiment leur péter les tentes pour pas qu'ils puissent revenir. Toi le gros, tu commences à me souhaiter. Ouais, yes! Oh, il y a du cuir par terre de porc aussi. Tiens. Vas-y, Mauricio Paquito de la Cruz. Fume-le! Ça, c'est un nom pour un chien. Mauricio Paquito de la Cruz de la Hoya Cardinal de la Turquie Panchadolata. Ok. Allons-y. Pète-lui. Oh, une Golden Pupple. Ça, c'est cool. Voilà, un peu de bois pour Chani. Hein, pète le bois. À la vôtre, je me prends un coup de café pendant qu'il casse son bois. Ah, petit café colombien, ça fait toujours du bien. Non, parce qu'il est colombien, il est pas coupé à la coque, je vous rassure. Ah là là. Ok. 5,
café Pablo, Pablo Escobar. Bon, je voudrais me fumer des gobes encore. Ah, une de leurs maisons. Petit. Mais arrêtez de vouloir jouer au héros. Tiens. C'est long à coup de hache quand même. Faudrait que j'aie une vraie arme en fer, quoi. Pas un couteau qui fait 100, mais bien une hache ou une pioche, un truc qui fait 400, 500, 600, 700 000 de dégâts, j'aimerais. Ou alors qu'il me file la recette pour réparer les pompes cassées que j'ai. Comme ça, on pourrait commencer à s'amuser à tirer sur les ennemis. Oh putain, le coffre. 3 pièces à l'intérieur, quoi. Youpi, je préfère les plans de l'armure de Gob, s'il te plaît. C'est quoi ce panneau? Pas à côté de chez moi. C'est à moi, ça. Ok, ça aussi cassé. Berk, dégage. Allez, continuons. Petit. Allez, on prend du... Pensez à toujours continuer à farmer les poulets, parce qu'on sait jamais, si jamais on a besoin de plus de matos, on sera content de l'avoir, quoi. Ça reste un jeu de craft, donc on a intérêt à avoir pas mal d'éléments. Ouh, tu m'as lâché un plan, toi, c'est quoi? Vas-y, prends le plan. Oui, le homme gobelin. On va récupérer le pognon, quand même. Dégage-toi, tu t'en prends pas à Mauricio Paquito de la Cruz de la Hoya Cardinal, s'il te plaît. Allez, viens ici. Chaque fois que je parle de ce chien, je suis en train de rajouter des noms. À la fin, vous allez voir, si on fait 20 épisodes, à la fin, elle aura un prénom composé de 45 noms. Chope-le! Chope-le, gobe, bute-le. Vite. Au pied, arrête de fuir. Viens, voilà. Oh, en plus, j'ai bien fait, il m'a donné du cuir. Casse cette lampe pourrie là, qui attire les ennemis ou je sais pas quoi, tiens. Alors, je sais pas si c'est vrai ou pas, si ça attire les ennemis ou pas, mais moi, dans ma tête... S'ils ont des torches qui ont été posées par eux, ils vont venir. Tiens, gobelin. Oh, oui, yeah. Goblin pants. Il nous manque que les chaussures goblin. Oh, ça a popé en bas. C'est bon, merci. Donne-moi ton bois. Venez les gobelins. Oh non, viens des pas. Il y en a un là. Dégage-toi. Oh, de fugue. Ah, je remarque qu'il m'a mis un coup et j'ai pas pris de dégâts. Oh, cette armure est pas mal quand même. On va aller essayer de se crafter cette armure de gobelin, hein, finalement. C'était le but. Attends, il y a du pognon. On va aller se crafter cette armure de gobe finalement. Parce qu'on a eu pas mal de choses. Alors, 5 cuirs, 2 machins, 5 oreilles. Oui. Alors, comment qu'on fait déjà? Non, je vais bouffer. Ouais, mettre ça à cuire. J'ai presque plus de bouffe. Excusez-moi d'y penser en premier, mais c'est important. Et pendant ce temps... Haste potion, il faut du sucre, du miel et enfin des... La ruche d'abeilles. Comment on dit? Les alvéoles. Voilà, il faut des alvéoles. Alors, Goblin Armor, mais je l'ai ça. Casque de gobelin. 3 cuirs, un petit cuir et 2 oreilles. Donc... on peut le faire. Donc on va aller à la table des craft, peut-être. Non, on va crafter comme ça, direct. Peut-être manger. Voilà. Je vais peut-être... Ok. Donc, voilà. Un cuir que je coupe. On va... Voilà, merci. Ça, plus 1, 2, 3... Et 2 oreilles. Et voyant la tronche qu'il a, le casque gobelin, je suis curieux. Oh yeah! J'ai la tronche du Dinguismo! Oh, on dirait un Gremlins, du fil Gremlins! Oh, mon dieu, terrible! Gizmo! Cri-cri! Ok, j'ai pas assez pour le reste. Et peut-être on va aller farmer un peu plus de gobes alors? Oh, je suis tout nu avec un couteau. Je préfère être en armure de gobes, tiens. Viens, Paquito. Sur mon chien. Un bon chien. Farm, n'oublie pas de jeu. Farm toujours. En tout cas, ces outils en pierre. Vous voyez ce que je vous disais dans l'épisode 1, c'est que quand tu utilises le bon outil sur le bon item, tu récoltes plus de matériaux. Ah, viens là.
Oh, il va trop loin, il y avait une bouteille en verre en plus. Reviens, 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 gob, gob, gob. Oh. Ah, je peux pas la réparer en plus. Tu crées, crées, je te dis. The fuck. Whoop. Fuck you. L'armée des gobs vient se venger, bordel, ils m'ont vu avec leur armure, ils ont dit non, celui-là il a essayé de le buter. On va essayer de les kaiter. Kite, 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 défonce-les, 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 voilà. Dans ton cul la tortue, merci. Tiens. Ah, ce qui est bien, c'est que la hache, elle peut stun, tu vois, donc de temps en temps, avec un peu de cul, on va en laisser 2-3 derrière, et puis on va pouvoir se... Tiens. Complet, toi, vas-y. Yes, yes, yes. Yes, défonce tout sa chaîne. Y'a un jambon par terre. Merci mon gars. On a eu chaud au cul là, l'air de rien. Tu vends quoi? Que de la bouffe, hein. Non, ça m'intéresse pas. Le vendeur vient de se faire défoncer, y'a un autre qui est sorti du magasin. Ah, c'est des vendeurs avec magasin interposé, ok. Couteau. C'était inclus en fait dans la carriole. Tu as inclus un cloneur de toi au cas où tu meurs quand tu ouvres ces magasins. Ah, l'armée des clones, quoi. Oh, un lapin, dépêche-le. Non, on peut pas. Non, on peut pas. Okay. Il y a plein de pognon par terre, ramasse. Mais tu vas me laisser tranquille, toi. Oui, dégage. Dégage, dégage. What? Fuck you. Fuck you. Fuck you. Fuck you.